Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de Too Dark. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Écoutez, moi personnellement les amis, ça va super, ça va nickel. Écoutez, dans le dernier épisode, eh ben on a bien galéré. On a bien galéré, il a fallu que qu'on aille mourir tout bêtement dans un gouffre. Donc là aujourd'hui on va essayer de ne pas mourir, on va essayer de faire correctement cette petite game. On va juste récupérer ceci, voilà. On va rentrer. Alors, j'ai mon bâton. Je vais aller directement tuer cette souris pour éviter, pardon, qu'elle ne m'agresse. Ça, je ne peux pas le prendre. Il faut l'électricité et on n'a pas d'électricité, donc pour le moment, on ne peut absolument rien faire avec ça. Là, à droite, on va faire attention. Il y a une petite araignée et juste au-dessus. Une petite souris et juste au-dessus il y avait des araignées. Je fais en fonction de ce que je me souviens d'à peu près de la dernière fois. Il me semble que c'était par là et qu'après c'était ici. Voilà, nickel. Donc déjà on a ça. On va attendre que le mec remonte. Enfin, on va attendre que le mec il monte pour aller désactiver les trucs et après on passe. Tiens! Salaud! My god! Eh bah! My god! En fait, je crois que je suis obligé de le tuer, lui. Juste par contre, attendez. On va juste prendre son cadavre et le cacher. Parce que si quelqu'un le voit. Bon, on va le cacher là. Hein, je trouve qu'il est assez bien caché. Ok, donc on peut y aller. Maintenant, on va activer ça. Est-ce que d'autres personnes nous ont entendu? Il me faut un pied de biche. Ok, ça c'est fait, on a récupéré un pied de biche. Aïe 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 aïe. Ok, donc là, déjà on a les clés du guichet. Oh! Aïe, putain, mais ça fait trop mal! On a récupéré les clés du guichet. Wow! Ok, calmons-nous. Oula 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 oula. Tac. Ok, on va repartir exactement par le même chemin dont on est venu. C'était par là. Attendez, c'était là. Voilà. J'emmène le cadavre avec moi, comme ça au moins je suis sûr que les mecs ils vont pas le voir. Hop, je vais le mettre là. Maintenant. Bah écoutez, j'ai eu les clés du guichet. Je vais vite fait aller voir ce que ça me donne. Hop, il y avait un bonbon ici. D'accord. Je savais absolument pas qu'il y avait un bonbon ici. Les clés du guichet. Alors est-ce que c'est les clés de quel guichet? C'est les clés de quel guichet? Ça là? Ce truc là? Bah non. Hop. Ok. Peut-être que c'est les clés. Il y a une grande porte là-bas au bout. Peut-être que c'est les clés tout au bout. Hop, c'est peut-être celle-là. Ce n'est pas la bonne clé, d'accord. Et là, il y a quoi? Oula, il y a un truc. D'accord, ok. Alors, elle, déjà, je pense que ça va être clair et net. Voilà. Vous avez trouvé un indice. Oh, un collier et son pendentif, un petit cœur doré. D'accord. Du coup, elle, on va la cacher là-bas, derrière le mur. Ici. Enfin, derrière le truc là. On a une bougie. Ok. Je suis fatigué. Comment je suis censé faire pour ouvrir ça? Là, j'ai un ticket. Ouais. Non.
D'accord. Bon, je sais pas trop comment on est censé faire pour récupérer cet enfant, mais on le récupérera, ne vous en faites pas. Ok, donc on met elle ici. Voilà. Alors, tout le monde! Donc, c'est bon, je suis revenu à l'endroit où j'étais tout à l'heure, j'ai récupéré le pied de biche et j'ai enfin découvert comment les amis sauvegarder. C'est tout simple, en fait, de temps en temps, vous rappelez-vous, ils nous disaient j'ai envie de fumer. Et ben en fait, le fait de fumer permet de pouvoir sauvegarder, de pouvoir recharger la sauvegarde qu'on avait fait. Chose que je cherchais depuis très longtemps à savoir comment faire et j'ai enfin trouvé et c'est absolument génialissime. Alors, nous là, du coup, on va avec le pied de biche récupérer les différents petits items que l'on n'avait pas récupérés. Et bien entendu également pouvoir récupérer le bébé. Allez, viens bébé. Je veux mon papa. Oui, je sais, ils sont tous nuls dans ce cirque. Ne t'inquiète pas, je vais te sauver la vie. Hein? Ne t'en fais pas. Viens ici, mon enfant. Tu ne risques rien avec moi. Tu ne risques rien. Je t'ai sauvé. Du coup, maintenant, bah, vu qu'on a encore sauvé un enfant, eh ben, on va sauvegarder. Hein, je sauvegarde énormément. Parce que j'ai pas envie de tout recommencer. On voit quand même que j'ai pris masse chère, hein, avec mon perso. J'aime bien faire ça quand j'avance, c'est drôle. Mais bon, voilà. Également, j'ai re-récupéré aussi, du coup, comme vous avez vu, les clés. Ici, les clés du guichet, que je ne sais toujours pas à quoi celles-ci peuvent me servir. Et je n'ai toujours pas actionné les... Comment? Le levier ici pour faire descendre ceci. Mais bon, sans doute que les autres, ils vont encore être interpellés. Ah non. Ah si, si. Si, si. Non, par contre, c'est ça que je dois enlever. Alors attention. Je ne sais absolument pas si je dois les tuer tous les deux. Ah mais non. Eux, ils sont pas... Alors, hop, faut que j'essaye d'être totalement... C'est quoi que j'ai dans mon autre main là? C'est les clés, je vais enlever les clés. Oh my god! Ils sont en train de s'entretuer ou quoi? Ah! Vite, 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 vite! Oh! Je suis en train de perdre du sang! Est-ce que vous pensez que c'est grave ou pas? Nickel, c'est bon. Ok, il m'a donné des piles. En fait, je ne sais plus comment on fait pour se soigner. Les combats, les bonbons. Non, je crois qu'on peut pas se soigner. Putain, c'était écrit comment on faisait. Non, mais c'est une blague. Ouh là là. Ok. Bon, en tout cas, j'ai plus du tout de balles. Faut pas aller par là. Rappelez-vous, la dernière fois, on se faisait tout le temps avoir. Oh, il y a un truc. Hop, prenez la clé en main pour ouvrir la porte. Ah, c'est bien, c'est celle-là. Un cadenas. Ah merde. Il y a un cadenas qui empêche d'ouvrir. Cette porte s'ouvre avec un levier. Mais je m'en doutais un peu. Hop. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez les enfants, c'est mou tout ça. Mais que vois-je, nous avons un visiteur inattendu. Tu es venu admirer le spectacle du grand Antonio, mon ami. Oh, comment je suis censé passer?
god! Mais c'est un taré! Qu'est-ce que je suis censé faire? Je dois juste regarder? Attendez, il y a peut-être un moyen, genre si je prends ça. Ah si, c'est bon. Il est méchant le clown. Je veux rentrer à la maison. Ouais, je m'en doute un peu. Mais il n'y a pas... Oh my god, le clown il me pourchasse. Ah! Attendez, non, il me pourchasse pas. Mais il me pourchasse pas en fait. Théoriquement là c'est moi qui le pourchasse. Mais j'ai pas de balles. Comment je suis censé faire du coup? Aïe! Il m'a défoncé. On ouvre ça. Et on prend le pistolet. Putain, il y a des lions dans le truc. Hop, voilà. Le pistolet. Ah, nickel, c'est bon. Il m'a donné une batte de Petrolini. Nickel. Alors si ça, c'est pas bon. Si ça, c'est pas good, les amis. Par contre, il a éteint où le... par contre, on va juste fumer un coup. Histoire de sauvegarder, parce que là, on a quand même réussi un exploit. Mais pas la peine de pleurer, les enfants. What? Ok. Ce n'est que ça. Pourquoi il pleure encore? Pourquoi il crie? Arrêtez de crier, ce n'est que moi. Et ça, c'est sans doute pour ouvrir le truc tout en bas. Non. Ah! Ah! Mais ils sont fous! Cette porte s'ouvre avec un levier. Oh my god! Non mais c'est une blague. Il y a un gosse dans la cage. Aïe. Y a rien d'utile. Cette porte s'ouvre autrement. Ok les amis. Alors là, je cherche un moyen d'ouvrir cette petite porte. Est-ce que ceci me servira à quelque chose? Je ne sais pas du tout. Chut. Pas la peine de faire autant de bruit. Comment je suis censé ouvrir cette cage? Ah mais attendez. Oula. D'accord. Ok, d'accord, j'ai compris. Ok. Ce que je peux faire, c'est que je peux ramener tous les enfants ici. Au pire. Je ramène tous les enfants ici, comme ça après je m'occupe des lions.
Le souci, c'est que j'ai plus qui. Ah non, mais attendez. Putain, chut. Hop, je recharge. Oh my god! Le bruit qu'il a fait! Non, mais je vous jure. Juste, on va reprendre la lampe torche. Ah, j'ai pu. Hop, voilà. Ok. Je sais même plus quand est-ce que j'ai sauvegardé. Oh, ça fait trop peur le sang là sur les murs. Ok, donc je vais demander. Allez, venez. Oh, ils en font du bruit. Comment on fait pour leur dire de se taire? Ah, ils veulent que je m'en grille une parce que j'ai fait pas mal de trucs. Donc on va s'en griller une. Ok. Ils font masse bruit. J'espère que les lions ils vont pas s'en rendre compte. Ok, on avance les amis. À petit pas de félin. Et franchement ils font trop de bruit. Je sais pas comment faire pour qu'ils arrêtent de faire autant de bruit là. Le lion il va nous repérer. Allez, venez rentrer. Oh. Hop, voilà. On les prend, au pire, c'est pas grave. Ok. Ça, c'est fait. Maintenant. Maintenant. Ici, là, en bas à droite, il y a une petite salle où on peut aller. Oh, il y a les mecs qui sont juste en dessous. Ok, j'ai eu un nouvel indice. Ok. Et j'ai eu les clés des docks. Oh, pas mal. Une liste de gens, ok. Oh, y a trois personnes. Alors, utilisation de l'arme en main. Attaque à distance. Revolver. Attaque frontale. Clignotement jaune. Dégâts maximum. Je vois qu'on a paumé un gamin, celui avec un pull gris qui couinait. Oh non, c'était le plus mignon. Ok, alors attendez. J'ai peut-être une idée, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Vas-y, faut que tu tues le dernier là. Vas-y, le dernier, putain, il est juste en bas.
Putain, mais il est sérieux! Putain, mais où est-ce qu'il est, le mec? Ok, j'ai trouvé comment on faisait des zooms. Ok. Où est-ce qu'il est le lion? Ah, il est en bas. Oh non! Allez, vas-y, tuez-le. Ok, donc là, par contre, ça va être un peu plus coriace. On va sauvegarder, histoire de... Comme ça, on est sûr. Hop. Y a rien d'utile là-dedans. On va re-sauvegarder. Et franchement, là, je prends toutes mes précautions, les amis. Alors, je sais qu'après, y a notre perso qui tousse. Oh, chut, 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 chut. Arrête, arrêtez, 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 arrêtez. Tiens, prends un bonbon. Oh! Prends un moment. Toi aussi. Et toi aussi. Maintenant, tout le monde se chute. Chut, arrêtez, 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 arrêtez. Chut, 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 chut. Ok. Alors. Oh, il me faut un pied de biche. Ok, y a absolument rien. Chut, arrêtez. What the fuck? Oh, arrêtez, arrêtez. Oh putain. Ok, chut, tout le monde arrête. Voilà, je vais tout mettre là. Je vais juste les déplacer comme ça. Hop. Voilà, je les mets à la lumière. Chut, 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 chut. Arrêtez un peu. Hop, voilà. Hop, on leur dit un petit peu de chute. Hop. Voilà. Allez hop. On refume. Hop, on sauvegarde à côté des gosses. On fume à côté des gosses, nous on s'en bat les couilles. Ah merde. Je n'ai pas la clé de cette porte. C'est quoi le délire? Ah, on avait trouvé la clé des docks la dernière fois.
Alors comment j'avais fait pour trouver la clé des docks? Ouch! Comment j'avais fait pour trouver la clé des docks, moi? Oh! Reviens là. Ça, si je mourais à cause de cette connerie. Alors attendez, parce que la dernière fois j'ai... Bon, elles sont en bas, les araignées. Où est-ce qu'elles sont, les clés des docks? Ouais, bon, ça va. Ah, elles sont là. Nickel. Allez, venez, les gosses. Faut que je prenne les piles. Nickel. Et là, il ne reste plus qu'à passer ici. Waouh! Eh, franchement, c'est méga chaud, quoi, comme jeu. Je pensais pas du tout à la base que c'était si complexe que ça. Et du coup, j'ai juste à aller là. Waouh! Eh ben, aucune victime, absolument pas. Tous les défis à la fois, absolument pas. Et tous les bonbons ramassés, 9 sur 15, absolument pas non plus. What I really need now is a long, hot shower. Look at this place. That guy dressed as a clown makes me want to puke. How many kids did they manage to kidnap like that before sending them who knows where? This delivery slip thing has to be a clue. Eh ben écoutez les amis, on va pas continuer cet épisode, on va s'arrêter là, hein, parce que du coup on a fait un niveau entier. J'adore faire ça, je trouve ça tellement énorme. Ce qu'on va faire du coup à partir de maintenant, c'est qu'on va faire un niveau par épisode. Donc bien entendu du coup il y aura pas mal de montage, je pense, parce que j'ai passé au moins 40 minutes sur cet épisode. C'était très très long, mais bon, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, moi je vous dis portez-vous bien et à bientôt. Allez, tchuss tout le monde.